Voilà, bonsoir à tous, bienvenue, deuxième jour de la semaine, on va encore s'éclater ce soir, grâce à vous en tout cas, on se retrouve tous les jours du lundi au vendredi à partir de 17h et on fait pas mal de choses ensemble, surtout qu'on garde le sourire malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré tout ce qu'on entend, malgré tous ces moments tristes que nous entendons tous les jours, on garde le sourire, c'est un peu ça notre devise ici, et vous le savez, quand on vous dit c'est comment, vous répondez, on est là et on est tous là, et c'est pourquoi on va dire bonsoir à Lydie, qui est là ce soir encore une fois. Oui, bonsoir Joyce, bonsoir à tout le monde. J'ai une devise, c'est je souris dont je suis fière. Ah, oui. Même quand ça va pas, tu souris. Mais pour vaincre ce qui ne va pas, il faut sourire. Exactement, sourire à la vie ou alors à l'infortune. Parce qu'il faut aussi sourire à l'infortune. Parfois, ça vous emmène sur des bien beaux chemins, comme on dit. Oh. Alors, on est aujourd'hui comme un mardi. Voilà, je me suis pas trompée. Et donc, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une grande pensée pour ceux qui sont du côté des États-Unis. Les États-Unis qui, en ce mois de l'histoire des Noirs, donc célèbre de grandes personnalités comme Malcolm X, figure-toi, Martin Luther King, le révérend Jesse Jackson. Mais on avait parlé de Rosa Parks, n'est-ce pas, cette afro-américaine qui s'était dans le bus, qui avait refusé de céder sa place. Voilà, et qui a changé quelque part l'histoire donc, de tous les afro-américains. On a une grande pensée donc, pour tous ceux qui sont du côté des États-Unis et qui regardent de temps en temps sur YouTube ou alors sur Internet, tout simplement. Ils ont compris qu'on peut dire non à l'injustice. On peut dire non à l'injustice et on peut se documenter aussi sur tous ces braves personnages qui nous inspirent. Voilà, Joyce. Merci Lydie, merci Callaghan. Le chapeau est revenu. Lydie, c'est une historienne. Voilà. Quand tu parles comme ça, tu revois encore tes cours d'histoire géographie devant toi. C'est ça. Et c'est bien. Ah. Moi, j'aime ça. C'est tout. Ça me rappelle mon premier cours d'histoire géographie en sixième. Voilà. Il va nous réciter des cours là. Mais, non, c'est bon. Ce n'est pas que je vais réciter des cours. C'est juste une intro où M. Niem nous a fait. Il est maintenant avocat au barreau. Oui. M. Niem au siège de Niala. Oui. Depuis les travaux de Copernic, figure à la ligne de point big rouge. Tu t'es dit, non? Voilà. La Terre n'est plus considérée comme le centre de l'univers. À la ligne de point big rouge, on distingue 9 planètes Terre, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ça s'écrit au big rouge. C'est-à-dire, c'était la belle époque. La belle époque. Oh là là, on fait des coucou à tous ces enseignants. Voilà, j'ai un camarade de classe qu'aujourd'hui je recherche fatigué. Oui, donne son nom, tu peux le retrouver. Voilà. Ah, voilà. Il était assis à côté de moi. Oui. Biton. Oui. Oui. Il n'y a pas de prénom, c'est bon. C'était son seul et unique. William Othon. Ah, William, c'est Othon maintenant, c'est plus Biton. William Othon. Ceux de Niala, William Othon. Mais s'il te plaît, Marius. Marius Bianda te cherche. Jean-Claude, je te cherche, William. Voilà. Donc, si quelqu'un le connaît, William, qui n'hésite pas. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Qui cherche aussi un camarade? William Othon. Vous avez des noms? Moi, je les cherche. Tu les revois quand même avec la Joe, tu as un camarade? Quelqu'un que je cherche, mais je pense que je sais où la trouver si je la cherche. Ah, d'accord. Mais pourquoi tu la cherches? Oui, quand même. Ah, oui. Moi, je me demande comment va Amougou Mbarga Thierry. Je sais pas. Amougou Mbarga Thierry. On te cherche. Comment tu vas? Voilà. Je ne les vois plus. Les Pomola aiment. Tu as un proverbe quand même? Oui, j'ai un proverbe. D'accord. Tous mes fils sont portés disparus. Le proverbe est simple. Toujours simple. Pour nous, c'est pas simple. C'est-à-dire? Ça alors? C'est-à-dire? Oui. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le macabo avait refusé. Le taro. Même le taro. En fait, c'est pour nous dire quoi? Parce que tu veux pas parler de patates, de non, macabo. C'est très poétique d'ailleurs. Chaque chose arrive dans la vie de chacun en fonction de comment tu as organisé. Il y a des personnes chez lesquelles, quand tu arrives, tu sais déjà d'office que tu vas te déchausser avant d'entrer. D'accord. Sinon, ils te prennent.
Et il y a des personnes sur lesquelles tu peux même monter jusqu'à, tu poses ton pied même sur le canapé, oui, sur le canapé, tu tournes comme ça et te regardes, il sourit, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais on ne fait pas ça chez tout le monde. Hein. D'accord. Donc l'homme, c'est son caractère. Ce que tu as accepté au départ, continue seulement avec. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Là, je suis un peu perdue. Comment tu fais pour ça? C'est pour ça que moi, j'aime bien quand il s'arrête là, parce qu'on comprend mieux que quand il explique. Donc, qui peut nous expliquer? Parce que moi, je peux expliquer. Oui, explique. Parce que l'exemple le que tu as donné... Le macabre avait refusé qu'on le mange. Dans la vie de tous les jours. J'avais simplement dit quoi? Qu'il y a des personnes au départ qui sont strictes et qui disent, chez moi, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et il y a maintenant des personnes qui, au départ... Laisse. Ah ben ça tu répètes. En fait, tu veux juste dire que comme tu fais ton lit, tu dis comment le c'est comme ça que tu te couches. Oui, donc quand si tu te plains que les gens quand ils arrivent chez toi, ils font ceci alors que chez l'autre ils ne font pas. Ouais. Tu dois savoir que c'est toi qui as permis. Mais oui, voilà, c'est toi tu parlais plutôt de ceux qui viennent, non. C'est plutôt la personne elle-même. Voilà, c'est toi qui as d'abord accepté. C'est toi qui as accepté. On ne te fait que ce que tu acceptes. Ce que tu acceptes. Voilà. D'accord. Quand on arrive chez l'autre, on ne fait pas parce que chez lui, il a dit que ce n'est pas comme ça. D'accord. Donc chacun est capitaine dans son bateau. C'est ça. Le macabo, il est capitaine, il te gratte. Il te gratte. D'accord. Donc si tu veux le manger comme ça, prépare-toi. Joe, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Finalement, j'ai un nom. J'ai Jeanne-Laure Ndia. Jeanne-Laure Ndia. Tu es recherché Joe Matrix. Bon, je crois que je fréquente son frère. J'ai fréquenté son frère peut-être il y a 2-3 ans. Mais tu l'as perdu de vue? Oui, elle doit plus être au Cameroun. Je me souviens d'elle comme quelqu'un de... Oui. Mais tu sais, à l'émission, elle va très loin, même sur Facebook en ce moment, on nous regarde. Non, elle n'est pas sur Internet. Elle n'est pas sur Internet. Mais quelqu'un qui la connaît, peut la retrouver. Et pourquoi tu la cherches? Bon, en fait, je me souviens d'elle comme quelqu'un de... Non. Très, très réservée. Très brillante. La femme que tu pouvais aujourd'hui. Non, justement, j'ai pensé à elle comme d'accord. L'école, c'est bien. DJ Eto, merci. C'est bien d'avoir les retrouvailles. Samedi, j'étais à Ngombo, là, à Arena. Ouais. J'ai rencontré. Aussi, Nankam. Ben oui. C'est ta petite sœur. Oui, oui, ma petite sœur, ma première petite sœur, parce que j'en ai beaucoup. Première petite sœur. Ah oui. Ouais, voilà que maintenant, tout le stock des petites sœurs est fini. Alors que tu as épuisé tout le stock. Alors que ici, j'ai compris, j'ai suivi comment un des dangers. On se retrouve dans un instant. Un des dangers disait que, ouais. Alors, on va parler de beaucoup de choses ce soir. Encore ? Elle est partie. Oui, c'était la dernière. Quelqu'un ici, un jour, m'a chuté que non, Langa est pimpante. Après, elle a dit que, mais comme Joyce est une lionne, si elle tente seulement de soupçonner, que tu peux lui dire comment tu vas percevoir. C'est que tu es fini comme le funérail. En tout cas, des bisous à Rosine. C'est Rosine qui a l'ordre du jour aujourd'hui. Ok, maman Rosine, bisous à toi. Voilà. Comment créer un lien affectif? Comment créer un lien affectif avec son enfant quand on ne l'a pas vu grandir, quand on l'a perdu de vue depuis son enfance? On va en parler, car ce sont des situations qui arrivent très souvent. On se retrouve avec son enfant, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir grandir et on ne sait pas toujours comment tisser des liens. C'est un bon sujet. Donc on va en parler. On va sincèrement en parler tout à l'heure. Tommy ne sera pas là, mais il était sur le terrain. Il nous a rapporté pas mal d'informations. Dexter est là, donc allez sur notre page, postez votre avis, et puis on va se partager tout ça ici ensemble. Chacun va donner son avis autour de cette table. Voilà. Et puis on aura le point E de Lady, si tout se passe bien, parce qu'on va terminer assez tôt ce soir. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah. Mais à l'instant, je vous prie de retrouver l'actu avec nous. On va ouvrir cette actu avec l'annual show. Oui, on avait dit que c'était reporté et les dates sont déjà là. Je pense que depuis un bon bout de temps, vous voyez bien la bande-annonce qui annonce du 18 au 21 mars. Ce sera à l'Esplanade que ça va se passer, l'annual show Fashion Week, à l'Esplanade du Saint John Plaza et au Saint John Plaza pour le clou de la soirée. Et comme d'habitude, vous le savez, pas mal de créateurs sont invités. Ils viennent de la plupart des pays d'Afrique et ça va être une grande occasion de renouer encore avec
avec la mode et surtout le mannequin noir, le mannequin africain qui n'a pas toujours assez de plateforme pour s'exprimer. Donc, comme vous le savez, Annuel Show fait partie des belles plateformes pour tous ces mannequins, tous ces top modèles. Et comme vous le voyez, c'est mode, mais c'est également musique. Donc, on aura pas mal de choses, des bonnes en tout cas. Ce qui est bien, c'est que tous les métiers de la chaîne de la mode sont affectés. Ils sont là. On a le maquillage, on a les chorégraphes, on a, voilà, il y a du monde en tout cas, du beau monde. Ce qui est bien, c'est que ben, si vous avez déjà vos billets, parce qu'il y a eu des billets qui ont été, une partie des billets qui a été déjà distribuée bien avant, vous pouvez les réutiliser donc pour cet événement qui va démarrer le 18 mars prochain. Sinon, vous avez vu les numéros qui s'affichent, vous pouvez rapidement réserver vos places. Et puis, on a une petite troupe. Voilà, super mélange, hein, beaucoup de fusion. Il mélange la soul, la musique traditionnelle de chez lui, et puis le negro spirituel, tout ça. Et on n'oublie pas que c'est du gospel, hein, c'est du louange au Seigneur, même si le rythme est si cadencé, il faut le savoir. Voilà, et puis Lady Ponce prépare le 12 avril à l'Olympiade de Paris. Voilà, c'est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, l'Olympiade doit être plein à craquer, comme ça l'a été pour Ex-Maléa, Talandre et Marie. En tout cas, on lui souhaite le meilleur, le meilleur, le meilleur et rien que le meilleur. Et puis, prenez votre vie en main. C'est de Woman Potential, un nouveau concept signé président Chop Chop. C'est sa première en développement personnel et ce sera donc demain à 18h à l'hôtel Douala Design situé à Bali. Et voilà, il s'est lancé. On attendait ça depuis un moment et c'est fait. Voilà, donc vous pouvez aller écouter. On voit déjà de quoi il parle. Hein. On doit prendre notre vie en main. Voilà. Voilà. Parce que c'est un peu le au pied. Au pied. Il faut prendre sa vie en main. Eh oui. Voilà. Et puis, nous avons pu avoir Verushka. Vous savez, depuis les auditions à l'aveugle, voilà, c'était pas facile de l'avoir, mais on a pu la voir. On va vous fournir ici quelques extraits des réponses. Ça ne fait que commencer. Vous aurez l'intégralité de cette interview où elle explique un peu tout. Eh ben, ce sera sur les antennes de Canal 2 d'ici quelques jours. Et moi qui ne regarde pas The Voice cette année, j'ai regardé. Mais oui. Voilà. Et voilà, on croise les doigts pour Verushka. Elle a été retenue au niveau de l'audition à l'aveugle et on attend les battles sur The Voice France cette fois-ci. C'est une fille qui chante. Ça dit quand voilà. J'écoute chanter, ça me rappelle. Ça te rappelle des choses. Notre coup de cœur cette semaine, c'est Darina Vitry avec. Darina Vitry, laisse-moi t'aimer. Enfin, des personnes mettent un visage sur l'audio qui a été écouté plus d'un million de fois, c'est ça? Quand une femme te dit, laisse-moi écouter, on va dire vu ou écouter quand c'est l'audio sur YouTube. Vu. Voilà, c'était des lyrics, c'est vrai. Voilà, le clip est donc là. Coucou à Moustique, le charismatique qui est donc le producteur de cet artiste. On va tout de suite s'arrêter pour recevoir notre invité, Joe. Oui, si on va recevoir notre invité, mais après jingle. Le temps passe très vite, on va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur Colin Smontion qui est financé par le producteur Eric Fautso, Joseph Fautso, son autre producteur, qui a son tour à un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatuet, qui est également produit par ce qu'on appelle le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est marraine de la Noche 20 du 18 au 21 mars. Regarde pas, madame j'ai Colette Chatuet. Bonsoir madame. On reçoit Claude Joya. Oh là là là, c'est super. Alors Claude Joya, tu es connu dans ta maison, dans ton quartier, dans ta région, dans tout pays sur le continent. C'est ce qu'on appelle être connu à l'échelle internationale. Ah là là, poète, auteur, compositeur, DJ, organisateur de spectacles, producteur, mais tu es également animateur télé et radio. Et ça n'a aucun rapport avec tous les autres. Tu es également karatéka. C'est comme ça. Mais oui, attends. Je te rencontre aujourd'hui pour la première fois, mais j'ai vraiment le sentiment de t'avoir toujours connu, puisque personne ne le sait sur ce plateau, mais je tiens une revue rock électropop où j'ai régulièrement parlé de toi. Oui. C'est une revue qui sort toutes les semaines, et comme le dit souvent aussi le charismatique, seulement dans ma tête. Oui. J'ai parlé naturellement de ta collaboration exceptionnelle, Love on the Brain. C'était un remix avec Serge Gainsbourg, David Guetta, mais j'ai parlé également du titre
Money, c'était également un remix avec ton alcoolique. Non, tu prends pas d'alcool, non? Bon, on l'appelle ton acolyte, Richard. Les rires. Avec David Guetta, effectivement, les premières parties que tu fais de la tournée française de Pink, magnifique, et surtout le label que tu montes, Money Music, et qui a quand même fait parler de lui. Tu fais partie d'une des, tu es l'une des personnalités les plus importantes de la scène pop électro, et c'est ce que je le dis toujours dans ma revue. J'ai même écrit un article récemment qui va sortir demain, qui s'appelle « Mais qui est Claude Ndjuya ?» Ça sort demain, dans ma tête, comme j'ai dit. C'est dans sa tête. Ça sort. Et oui, 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 je raconte ta belle histoire, ta magnifique épopée. Alors, tu es originaire du Cameroun, tu as grandi dans le sud de la France, né au Cameroun, voilà, et tu as grandi dans le sud de la France. C'est comme tous ceux qui sont nés au Cameroun et qui ont grandi dans le sud de la France. Tu aimes la musique, le sport, les filles, et sans qu'on ne voit un rapport direct avec ça, le karaté. Et bon, tu as du succès dans absolument tout, et tu choisis principalement la musique. Voilà, tu montes ton groupe à Marseille, et puis tu te retrouves à Saint-Tropez, et puis tu rencontres Richard, et puis tu rencontres David Guetta, et puis il y a une relation fusionnelle qui se crée entre vous tous les trois, et une collaboration vraiment exceptionnelle qui a produit beaucoup de tubes, et je suis sûr, beaucoup d'argent aussi. C'est ça la pop électro. Et donc c'est un plaisir de savoir que quelqu'un qui est né comme nous autres, un fils de notre patrie, le Cameroun, a pratiquement fait le tour du monde avec une essence culturelle très forte, hein, internationale, même si d'une façon ou d'une autre elle trouve ses racines ici dans notre pays. Yes. C'est un plaisir de te recevoir, hein. Tu reviens comme Samuel Eto'o, hein, qui a gagné la Champions League, hein, oui, avec de gros projets effectivement. Non, on va en parler tout de suite. Hein. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, Claude Ndjuya. Claude Ndjuya est notre invité ce soir. Claude Ndjuya, il est notre invité ce soir. Bonsoir Claude. Ah bonsoir, c'est vraiment, vous me faites beaucoup d'honneur. Franchement, je suis très touché parce que... Mais nous de même, je pensais pas, j'ai toujours tout ça dans l'ombre. Et je pensais jamais venir dans mon pays être bien reçu comme ça, comme on dit toujours. Il y a des mauvaises langues qui disent qu'on n'est pas bien reçu dans son pays, mais je suis bien. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Un manque de respect, là. Il est en train de parler. Oui, il n'est pas encore entré, en fait. Il y a une clé pour entrer ici. Si on ne t'a pas briefé... Si on t'a pas briefé, c'est tant pis pour toi. Hein, parce que là, on t'envoie carrément au cachot, si ça ne va pas. Ah. Alors, on pose une question et tu réponds. Allez. J'espère qu'il a la réponse. Ça va déjà. C'est comment? C'est comment? Non, il faut répondre. Il est tombé. On est là. Ah, il y a quelqu'un qui aime les benguistes ici. C'est qui? On est comment benguistes? C'est qui? C'est qui aime les benguistes? Oui, parmi nous ici, c'est qui? Celui qui aime le plus les benguistes, c'est qui? C'est tellement qu'elle a dans le jeu. Voilà. Moi-même, je suis un benguiste. D'accord. Je m'apprêtais à dire que lui-même est un benguiste. Bon, voilà. En tout cas, c'est tant mieux, Claude, d'être là. Merci d'être là, en tout cas. Reste, je fais comme un azo. Joe, j'ai la première question. Il a la première question. Tu tentes de savourer. Bon, ok, je ne savoure pas. Alors, on l'a vu en image. Là, on reste juste dans le domaine de la création artistique. Oui. DJ, auteur, compositeur, producteur. C'est quoi tes débuts avec la musique? Comment ça C'est mes débuts, tu sais, j'ai une mère qui s'appelle Charlotte Fosso, qui vous connaissez, et un père qui était vice-consul. Donc, ils nous ont amenés en France et ils ont vécu aux États-Unis. Ma mère, Charlotte Fosso, était secrétaire à l'ambassade à Washington. Donc, elle est rentrée avec les Whitney Houston, tous les Diana Ross, tous les Michael, tous les vinyles comme ça. Et ils faisaient, on disait que le champagne coulait dans les robinets chez nous. Oui. Mon père invitait tous les Camerounais. En fait, c'était toujours la fête à la maison. Toujours. Tous les Camerounais, qu'ils soient chauffeurs, qu'ils soient venaient à la rue Paradis, à la maison. Joseph-Antoine Bell est venu, mais tout le monde venait. On avait C'était la fiesta, donc tu as grandi Mes dans la fiesta. Mes parents recevaient tout le monde. Les avocats comme de l'OM, comme Prosper Rabega, c'est ma mère et mon père qui lui ont fait tous les papiers. Oui. Aujourd'hui, c'est l'avocat de l'OM. Tous les Camerounais étudiants qui venaient, je les ai vus, ils ont mangé à la maison. Vous savez que nous, les Camerounais, on adore la fiesta. Voilà. Dès qu'il y a la fiesta quelque part... Voilà, musique, chop et jonc. Et jonc, voilà. Donc j'ai grandi dans ça, le champagne à 3 ans. Donc c'est ce qui te connecte avec la musique. Le fait d'être tout le temps dans l'ambiance. Là, je dois beaucoup à mes parents. J'espère qu'ils ont accepté ton métier après. Voilà. 200 personnes à la maison. Est-ce qu'ils ont accepté ton métier après? Est-ce qu'ils ont eu le choix? Je travaille bien à l'école. Tu sais, quand tu es fils de diplomate, on te dit, tant que tu ne voles pas,
Tant que tu ne vends pas la drogue, et tant que tu travailles bien et que tu es respectueux, fais tes choses. Tu vas acheter. Toi, tu avais des parents cool, hein, c'est pas tous les parents. Ah non, moi, ça, c'est pas possible. Il fallait avoir les bonnes notes. Je remercie Amadou Mefir, Joya donc de Fomban, par mon père, et Charlotte Fotso des Ligisono. Voilà. C'est donc, bien. Toi, c'est bien. Double royauté. Double royauté. Merci, Dieu, merci. Donc, moi, je représente l'union du Cameroun même. Alors, et c'est là où on m'a dit que la musique, le sport de haut niveau aussi fait partie de tes activités principales. Ah oui. Donc, tu es NS champion karaté et Yann Chodon. Est-ce que c'est ça le karaté? C'est le Kyokushinkai Shidoka. Hein. Nous, on te donne le Mike Guéry. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire de sport? Alors, sport de combat, tu as un père qui est vice-consul. Oui. Donc, tu sais que mon père était très fort dans les sports de combat. De combat, j'ai mon oncle qui était au CNR. Non, il ne faut pas regarder Kalaga, il faut regarder donc, les téléspectateurs. J'ai mon oncle qu'on appelle Tonton Contant. Claude, il faut regarder en face de toi, oui. Il était au CNR, donc il maîtrisait César. Tous mes 10 frères, on est obligé donc du coup... En fait, tu étais plongé dans, dans la fiesta et dans les sports de combat. Ma mère faisait la lutte, vous-même vous savez. C'est pas ça alors. Bamileke et Ondo Betty. Oui. Hein, la lutte là, quand elle montait le panier, te ramassait les jambes. Voilà, du donc coup, il fallait s'y mettre. Hein. Ça m'a amené dans le MMA et je travaille aujourd'hui avec Fernand Lopez. Fernand Lopez. Fernand Lopez, tu sais qui il a pris sa part. Francis Ganou a pris son autonomie. Oui, son autonomie. Fernand Lopez, c'est lui qui l'a développé. Oui, bien sûr, qui l'a mis en avant. Et c'est lui le patron du MMA en Europe avec son événement Arès. Arès. Voilà. Donc, on a des gens aujourd'hui, cette force quand même du Camerounais, aujourd'hui, c'est qu'on arrive à s'unir pour des projets communs, avec humilité toujours, parce que Fernand Lopez, c'est quelqu'un, vous ne vous rendez même pas compte ce qu'il fait pour le Cameroun. Il est respecté dans le monde entier. Un grand pédagogue, un grand businessman, un grand coach. Et c'est pour moi, c'est un honneur de travailler. C'est mon petit frère, mais moi j'ai 42 ans. Oui. Mais il a une sagesse, ce monsieur. Et oui, il y a des gens comme ça. Fait c'est pour le Cameroun génies. Et ce qu'il va faire encore. C'est énorme. Lydie, on peut dire quelque part que tu as mené deux carrières, musique et sport, et ça sans problème. D'ailleurs, tu as même monté, alors que tu étais champion du monde, tu as monté. Alors, je suis le premier Marseillais camerounais, donc, à être vainqueur des plus grandes compétitions de MMA, avant que Fernand Lopez soit là, moi, en 1998. Donc, j'ai gagné, à l'époque, c'était mi-interdit, mi-autorisé. Oui, c'était pas encore... Donc, j'ai gagné l'Ultra Fight Kempokan, c'est une chose dans partie des grandes compétitions. Et en fait, le premier club de MMA à Marseille, dans le sud, c'était moi. C'était toi. Avec Mais justement, donc, après ça, tu parles. On va se parler. Il y a un cadeau. Lui, tiens une question, s'il te plaît. Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à ce même moment-là, tu as monté un groupe de rock fusion. Oui. Alors, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est de savoir comment est-ce que tu arrivais à monter, à mener de front, on va dire, deux carrières complètement parallèles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Parce que tu regardes seulement les parents, ce qu'ils faisaient. Moi, je vois ma mère, elle était secrétaire à l'ambassade. Oui. Elle venait s'occuper de mon père. Elle était Nyanga toujours. Oui. Elle nous faisait les devoirs jusqu'à minuit. Et quand il y avait dynastie, si tu n'avais pas bien fait tes devoirs, tu attendais que dynastie finisse. Pour continuer. Tu finissais ça jusqu'à 3h du matin. Elle se réveillait le matin pour travailler à l'ambassade. Wow. Donc tu as appris à faire tout à la fois. Voilà, quand tu vois la femme aujourd'hui, parce que c'est la femme, c'est ma mère, j'ai vu ça surtout de ma mère, tu cumules, elle faisait la musique, c'est elle qui était DJ. C'est elle qui nous donnait les disques. Et c'est une femme, vous voyez. Donc, et le blond, on ne pouvait pas s'amuser. Elle a élevé 11 enfants, tu sais, mes grands frères. Elle est Martino Bar et Ligi Sono là maintenant. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ouais. Oh là 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 là. Ça alors Charlotte Fotso. Tu me donnes la chaîne. Non, je te promets. Ça se comprend. Et c'est nous qui lui avons dit fais les mêmes armes parce que là-bas, je lui ai dit il faut faire le concept de show. Tu ne peux pas laisser le bar comme ça. Oui. Il faut faire le show, mettre en avant des nouveaux artistes. N'essaie pas de prendre. Mais les nouveaux artistes, donc tous les dimanches au Menzan, à Yaoundé. Il y a des nouveaux artistes qui se performent. J'étais là-bas dimanche, vous allez sur mon Instagram.
On a bien chauffé ça, j'ai bien. Super. Donc moi, je suis né dans la fête. Dans la fête. Et il adore la fête. Et la fête, c'est déjà sur ce plateau quand on l'écoute. Mais pourquoi même avec la fête, on peut faire carrière? Mais oui. En 1904. On va aller à New York quand? Vous allez aller. On est au Cameroun. On est. Voilà. Alors, en 1999, tu deviens Didier et tu deviens en quelque temps l'un des meilleurs de la place. La rencontre avec Richard Bayerix. Et David Guetta. Et David Guetta. Voilà. Et ce sera un tournant important de ta carrière. Raconte-nous tout ça, parce que là, donc, c'est... c'était une période, je venais de me séparer de la mère de ma fille. Et oui. comme Dieu est grand, moi, j'ai toujours eu la foi. Comme j'ai dit, vous voyez mes vidéos, je vais beaucoup dans Israël. Oui. Et j'avais plus de dos. Plus C'est-à-dire de dos du tout. Plus rien. Écoutez bien. Donc, et j'ai dit, bon, il ne me reste plus qu'à prier, parce que j'ai les gens, comme quand tu es fils de diplomate, tu viens de vendre le wok, tout le monde te bat. Ah oui, on dit que non, tu es fils là, de... Ton père n'est plus là, donc on a appelé, on te barre. On dit même que tu es voyou, que tu es drogué. Oui. Ah, moi, j'ai appris ça pour moi. Et un jour, je suis là, je fais ma musique. D'un coup, le directeur d'une boîte de nuit à Aix-en-Provence, Toufik, du Mistral, me dit, fais-moi écouter, je vois David Guetta. Je lui dis, bon, prends. Et j'avais déjà composé mon nez. Je lui donne. Oui, Monet, c'est le titre qu'il a fait avec Richard. Avec David Guetta, avec David Guetta pardon. Voilà. Et si, mais tu l'avais déjà fait. Et Joaquin Garou, qui est un grand DJ aussi. D'un coup, mon téléphone sonne. Allô, Claude, c'est David. Ouais, j'ai écouté ton disque, il défonce, mais il faut qu'on le retravaille. J'ai dit, arrête les blagues là. Oh, il me donne rendez-vous. Il mixait le 31 décembre avec Bob Sinclair. Oui. Le réveillon, je me rappellerai toute ma vie. Il me dit, je veux de sortir le DJ, Jean, écoute, moi, être star, ça m'intéresse pas. Faut qu'on fasse ça ensemble, que ça sorte à ton nom. Parce que moi, j'ai les dos, j'ai une grande famille à Fumbal, à Yaoundé. Je préfère que ça sorte toi seul. Au moins, je suis dans l'ombre. Et c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de prod dans l'ombre. Dans l'ombre. Parce que moi, être star, ça m'intéresse pas. C'est pas ton truc. Ouais. Moi, je veux vraiment... tu voulais, tu veux toujours. Parce que là, tu sors quand même de l'ombre. Oui, là, voilà. Avec en plus, dans une émission aussi populaire que celle-là. Parce que tu n'as pas le choix, là. Parce que quand j'ai fait mon nez, j'ai gagné beaucoup d'argent. Oui. Mais le problème est que quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu as un train de vie, autant le Cameroun que tous tes amis. Tout d'argent, en un mois, tu prends ton appartement, tu achètes tes cieux d'enchaînement, je me suis retrouvé. J'avais gagné beaucoup d'argent, je me suis retrouvé endetté. Oui, voilà. C'est important de le dire parce qu'il y a des artistes qui se retrouvent dans la même situation. Voilà, or que j'ai eu mon compte en banque. Oui, problème de riche. Plus tu as d'argent, plus tu as de besoins. Ah, ben oui. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Famille, non. Non, il faut c'est la fiesta aussi qui fait tout ça. Hein. Non, parce que moi, je n'ai pas de problème sur ça. Tu n'as pas de problème de fiesta, de champagne. Non, je n'ai pas de problème parce que je suis... C'est le même David Guetta, quand tu vends David Guetta, tu le son à fond, c'est bon. Alors aujourd'hui, tu organises de plus en plus des soirées caritatives, il faut le dire. Pour la chaîne sociale Les Restos du Cœur, c'est ce que tu fais déjà là-bas. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est un concept que justement, je suis venu pour vous présenter ça, quand vous aurez les images. Oui. Redoutable. Donc, le concept est que vous assistez, il y a des vidéos déjà sur YouTube, au concert de Booba par exemple, au concert de Black Eyed Peas ou de Bob Sinclair, qui est un très bon ami à moi, où j'ai fait venir même les Lions Indomptables de 1990. Oui. Tu assistes à un spectacle. Non, tu vas sur YouTube. Donc, tu revois une star, s'il te plaît. Tu amènes des denrées alimentaires. Du coup, ces denrées alimentaires, on les reverse uniquement à ceux qui ont eu les bonnes notes. Selon l'artiste. Si c'est un artiste pour un public de jeunes, ça sera pour les collégiens ou les lycéens. D'accord. Pour Booba, par exemple, ça sera adressé plus à des gens jeunes. De notre âge. Aussi notre âge, des gens avec Booba, parce qu'on a grandi avec Booba. Oui, bien sûr. À l'époque, avec Lunatic, Ayam, tout ça. Booba, c'est quand même un vieux de la vie. Du coup, on a récolté, rien que pour Booba, 10 tonnes de nourriture qu'on a offert, entre parenthèses, au Resto du Cœur et aux étudiants aussi qui sont venus une jour pour le concert. Du coup, il a Djibril Cissé. Il a vu ce que Samuel Eto'o a fait au Cameroun. Là, c'était un bon concert. Lui, il va venir faire, mais caritatif. Donc, du coup, je vous présente ça avec Canal 2. Vous avez intérêt, partenaire. Oui. Parce que quand donc, si en fait, le concept vient ici. C'est ce que tu entends nous dire. Le concept vient ici. On va faire venir les stars du football. Oui.
Et les stars de la musique. Les stars de la musique et du football sont là. Sachant que Djibril Cissé est devenu grand DJ. Oui. Donc il vient ici. Oui, il est devenu DJ. Dès qu'on a tous les partenariats fixés. Et voilà. Avec Canal 2, bien sûr. D'accord. Ben merci, on est tout heureux. J'adore comment on négocie sur le plateau. Sur le plateau. Voilà. Quoi, c'est parti là. Eh bien merci. Tu ne vas pas bouger, Claude Dioia, puisque tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vais faire une petite dédicace. Bien sûr. À la famille Fotso. Oui. Bellinga. Oui. Et toi. Oui. Enjoya. Voilà. Voilà. Toutes les familles. Enjoya. Enjoya. Pour la France. Oui, c'est pour la France. Pour ici, c'est Enjoya. Bon. Et tu restes avec nous. Producteur aussi. Alphonse aussi. Voilà, tu restes avec nous. On va accueillir, Dexter. Alors j'explique, on a toujours un thème au centre de cette émission. Et le thème ce soir, c'est comment créer un lien affectif avec son enfant qu'on n'a pas vu grandir, qu'on a perdu de vue depuis son enfance. On va en parler un tout petit peu. Des personnes ont donné leur avis sur notre page Facebook et c'est pour ça que Dexter nous rejoint à l'instant. Dexter ? Voilà, on est de retour. Bonsoir, Dexter. Bonsoir, Joyce. Ne l'appelle plus Dexter, mais le gars de Brenda. Ah, je vous présente officiellement mon manager. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la page? Qu'est-ce qu'il donne comme créneau, comme astuce pour... Voilà. Ils ont commencé... Pour créer un lien affectif avec son enfant qu'on n'a pas vu grandir. Mmh. Ils ont commencé à débroussailler le thème sur la toile. Tatiana Camouche, pour commencer, c'est comment? On est là. Si l'enfant est déjà majeur, expliquer le pourquoi on n'était pas là depuis, créer un climat de confiance, être plus proche de lui et promettre d'assurer sa sécurité. Autre message, Abba Zakefi, c'est comment? On est là. Voilà, ici, l'importance... c'est de montrer d'abord à l'enfant que tu l'aimes et lui expliquer les raisons de ta disparition et lui faire comprendre qu'il a raison de se fâcher, mais qu'il comprenne aussi que cela ne dépendait pas de ta volonté. Le plus important est que tu l'aimes et plus rien ne pourra vous séparer. Oh, comme c'est mignon. Verratti et Nibo, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est pas du tout chose facile, mais je pense qu'il faudra juste passer plus de temps avec lui, lui accorder toute notre attention, ce qu'il n'a pas pu avoir au bas âge. Amour, cadeau et tout. Faudrait aussi lui donner des raisons de notre absence, les vraies, surtout les vraies raisons. Coucou à vous la team. Coucou à toi. André Gabo, c'est comment? On est là. Tout dépend de la façon dont on a perdu de vue l'enfant. Pour le reste, on saura comment gérer la situation, mais tout compte fait, il faudra accorder à ce dernier une attention tout à fait particulière. Agir avec tact et discrétion, poser des gestes qui pourront l'amener à comprendre l'amour que vous avez pour lui. Mais je tiens à rappeler ici que si cette séparation est indépendante de votre volonté, la situation serait encore plus facile à négocier. Mais si cela a été provoqué par vous-même, mais il y a une solution à toute chose. Pour un enfant, l'attention de ses parents est la meilleure des cadeaux qu'on pourrait lui offrir. L'enfant ne grandit jamais devant ses parents. Même s'il a 30 ans, il fait tous les cadeaux. Pour terminer, un backup, c'est comment? On est là. Me rapprocher de la personne avec qui il vivait auparavant pour connaître ses goûts, ses envies. Bref, pour savoir comment captiver son attention. Quoi. Bisous à vous sur le plateau. Merci. On va s'arrêter là. Mais bon, bien sûr, si on était à l'époque de Terrence, il dirait certainement « Je suis ton père, autant par la tendresse que par la nature et je t'aime plus que mes yeux. » On est au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Eh oui, bravo. Merci, Dexter. On va switcher, bien sûr, pour le pic d'audience, vous le savez. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la.
L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Ta émission très regardée, très écoutée. Vous qui regardez ça comment? On est là. D'accord, il y a un problème de chez nous qui dit que Baba Wolo. Voilà, on est de retour sur le plateau. Et on va continuer avec le thème de ce soir. Comment créer un lien affectif avec son enfant qu'on n'a pas vu grandir, qu'on a perdu de vue depuis son enfance. On va tout de suite regarder le Vox Pop réalisé par Toby. Et on vous revient juste après. Oui, pour créer le lien affectif avec votre enfant que vous n'avez pas vu longtemps, vous approchez de l'enfant, vous faites de lui d'abord votre ami, une affection, vous ouvrez un pan de dialogue avec l'enfant, vous lui donnez la genèse de l'histoire par rapport à sa mère, comment votre affection a été envers sa maman et le lien de séparation, sans toutefois chercher à inculper ou bien à dire, à condamner, c'est sa mère qui a fait à ce que vous soyez séparés, mais tu pourras lui dire, c'est suite à une circonstance que vous êtes séparés, et régulièrement, ce ne sont pas les cadeaux qui vont vous amener, c'est le dialogue constant. Ainsi, l'amitié se crée. Vous allez le choyer, lui expliquer ce qui a fait en sorte que vous l'avez abandonné. Être patient parce qu'il ne peut pas vous accepter au moment où vous venez. Lui faire des petits cadeaux, l'amener dans des petites balades. Toujours la patience, il faut patienter. Lui faire comprendre les vérités qui s'est passées dès l'enfance. Je pense que cela, l'enfant pourrait au moins mieux comprendre. Cherchez d'abord à créer un lien amical avec l'enfant, de peur de frustrer l'enfant. Maintenant, essayez de lui faire part de votre raison. C'est à travers la relation de l'enfant qu'on pourra savoir comment l'approcher. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile pour l'enfant de comprendre. On doit être patient et à travers sa réaction, tu pourras donc savoir comment l'approcher. Et si l'enfant te refuse déjà, il faut savoir qu'il faut prendre un peu du recul. Question de passer même par la famille. Il faut déjà chercher à rentrer en contact avec ceux qui ont la charge de cet enfant. Parce qu'il faut déjà chercher à devenir l'ami de cet enfant. Essayer d'organiser des sorties pour échanger avec l'enfant, connaître comment il a vécu le passé sans vous. Essayer de le questionner, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et lui faire naturellement des petits cadeaux, parce que tout le monde aime bien des cadeaux. 80% des hommes abandonnent les enfants, mais ce sont les femmes qui endossent les conséquences. Il y en a qui ont 36 enfants, comme cette semaine, si j'avais vu un papa, il a rassemblé 36 ou 37 enfants, avec peut-être 6 femmes. Donc pendant plusieurs, 34 ans, l'enfant n'a pas vu son père, ils ont causé, il a rassemblé tous ses enfants, et ça se passe dans les bonnes conditions. Wow. Depuis beaucoup d'années, hein. Papa. Voilà, on va faire rapidement un tour de table, Lydie. Comment aider ces personnes qui cherchent à avoir un lien affectif avec un enfant qu'ils n'ont pas vu grandir, qui est leur enfant? Mais moi, je dirais que c'est un petit peu une compilation de tout ce que les gens ont dit. Je dirais surtout qu'il faut prendre le temps. Je crois que la clé de tout est dans le temps. Pas forcément dans les explications, mais le temps juste de voir qu'on en face. Ne pas mettre la pression, il faut vraiment aller doucement, parce qu'en fait, les gens disent toujours, c'est mon enfant. Le parent, c'est plus facile pour lui, mais l'enfant, il ne vous connaît pas. Et lui, son référent père-mère, c'est quelqu'un d'autre. La plupart du temps, vous êtes un étranger. Et ça peut faire très mal, et je crois que ça peut être difficile. Et ce que j'allais dire surtout, c'est que ne cherchez pas à rattraper le temps. Vous ne pouvez pas rattraper le temps, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez démarrer une nouvelle histoire avec cet enfant-là, comme étant justement ce parent qui est arrivé tardivement dans sa vie, mais toujours à temps, puisque vous avez passé des moments ensemble. Voilà. Joe ?
de la vie de Lydie, démarrer une nouvelle histoire en créant un lien, trouver le moyen de créer un lien fort. Bon, maintenant, si c'est un adolescent, moi, je parie sur l'instinct naturel, c'est-à-dire qu'avec le temps, en trouvant le moyen de créer une relation, des choses que vous partagez ensemble, que vous aimez, une histoire, je ne sais pas quoi, pour passer le temps ensemble. Bon, maintenant, s'il est déjà adulte, je pense qu'on peut construire les choses sur la raison, commencer par lui raconter l'histoire. Pourquoi on s'est séparé, pourquoi je t'ai abandonné, trouver le moyen de solder ça d'abord. Solder, parce que des fois, ce sont des questions auxquelles l'enfant veut des réponses. Oui, avant de laisser le temps faire les choses, en étant présent régulièrement. Parfois, c'est même vous qui voulez des réponses aussi. Oui. C'est de savoir comment il a grandi, comment ça s'est passé sans vous. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est l'ego qui va vous forcer à demander mais est-ce que c'était bien avec ta maman, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc vous aussi vous avez des questions à poser. Peut-être l'enfant n'a pas envie d'y répondre non plus. Voilà. C'est ça. Quel agent ? Naturellement quoi ? Il y a les mains d'enfants d'abord. On voit boire après le diable. Non, c'est pas possible. Il y a les mains d'enfants qui sont des diablotins. Tu vois le conseil du premier monsieur qui a été interviewé dans la rue. Il a dit de ne pas incriminer quelqu'un. Ce n'est pas le but. On demande qu'est-ce qu'il faut, comment créer un lien. Comme ça concerne la femme, tu dis à Non, ça ne concerne pas la femme. Non, ça ne concerne pas la femme, ça. Ça concerne les deux. Si vous me laissez aller au bout de ma pensée, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a des femmes qui, quand elles savent qu'il n'y a pas de lien entre un bon rapport entre elles et le père de l'enfant, tout ce qu'elle dit parfois à l'enfant, c'est que je veux voir comment l'enfant se va te reconnaître. Je veux tout lui dire. Je vais monter l'enfant si tu vas voir. Et je dis toujours, c'est une erreur très grave. Ah, très grave. Très grave. Parce qu'il y a des enfants qui grandissent sans leur papa. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce n'est pas ça le sujet. Sans leur maman. Et maintenant, quand il faut faire le lien, c'est en 2 secondes ce que tu as souffert seul pendant 10 ans, 15 ans. Parce que tu croyais devoir faire du bien à l'enfant. L'enfant ne peut jamais être bien s'il n'a pas son père ou sa mère. Et vous ne serait-ce que le connaître, même si c'est un fou ou une folle. Donc, quand tu veux revoir ton enfant, première des notions, c'est d'être gentil, le ramener vers toi et maintenant l'amener, le flatter à ce qu'il te raconte son histoire et pourquoi depuis il ne t'a pas revu. Parce qu'il faudrait que tu te bases de l'histoire qu'il te racontera face à la séparation qui a eu lieu depuis, avant de connaître maintenant comment lui action-réaction, comment s'attaquer pour arranger ça. Parce que si jamais il y a des choses qu'on dit, ça te tue la tête de l'enfant. Il faut que tu ranges encore ça, tu remets ça au niveau base. Donc maintenant, tu mets maintenant ça en place, c'est où maintenant tu recommences maintenant à montrer à l'enfant le bon de toi, le bon côté de toi. Et ce que la mère a dit, si la mère t'a détruit, tu remontes que non, plutôt c'est pas ça. Voilà, et tu vas tout doucement. C'est pas en parlant qu'on remonte, hein, c'est en posant des actes. Tu poses des actes et tu parles. À moi, alors maintenant, tu prends mon temps de parler. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Après, on va pas jouer mon coup. Voilà. On va pas y passer la nuit. Mon tour alors. Alors, Claude. Vous nous aidez ces mains. Claude. Moi, franchement, comme je dis toujours, à part si le parent n'est pas au courant de la naissance de l'enfant, donc l'homme. On regarde. L'homme, bien sûr, en général, puisque les hommes ne font pas les enfants, le père, donc, doit demander d'abord excuse à l'enfant parce qu'il n'y a aucune raison. Peu importe, l'enfant n'a rien demandé. Il faut déjà demander pardon, se mettre à nu à l'enfant. Parce que je pense que c'est la première des choses à faire. Même si tu n'as pas tort dans l'histoire avec la mère. Moi, je sais que moi, ça m'est arrivé parce que voilà, il y a des histoires de couple, puisque je peux vivre. Et c'est vrai que la première des choses que j'ai dit à ma fille, j'ai dit ton père te demande pardon. J'ai aucune raison qui me met à te délaisser, tu n'as rien demandé, toi, tu es venu au monde. Et après, je pense que avec un vrai pardon sincère, ça, tout va se faire naturellement. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. À l'enfant. Dans le contexte, même à la maman aussi. Même si la maman l'a dérangée, tu ne peux pas la laisser seule élevée, c'est la mettre en danger. Non, ça, c'est dans le cas où. Voilà. Tu as abandonné les deux. Dans le cas où elle part avec l'enfant, tu peux demander des excuses à l'enfant. Et qui disent, tu ne vas jamais voir cet enfant. C'est quand l'enfant vieillit que l'enfant arrête aussi la mère maintenant. C'est tu vas me montrer mon père aujourd'hui. Oui, mais tu peux demander des excuses à l'enfant. Bien sûr. De ne pas avoir pu être là. C'est le moyen, bien sûr. Non, mais tu peux lui demander des excuses pour ce qu'il a vécu. Capable d'empêcher cette situation. Oui. Parce que toi aussi, tu écoutes, tu es coupable. Nous sommes à la télévision. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont disparu avec les enfants des autres. Oui. Et l'enfant souffre quelque part.
c'est quand l'enfant doit avoir un certain âge que l'enfant va soit arrêter la mère comme ça. Est-ce que ça enlève le pardon pour ce que tu as vécu? Tu dis ça à l'enfant, il a vécu des choses. Mais l'adam est rancunier. Il est rancunier. Mais rancunier avec l'enfant, ça n'a pas de sens. Non, les femmes font les choses aux enfants. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il est. Sinon, si tu relances une polémique, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu sacrifies tous les jours la maman. L'enfant le tue, si tu as les poids avec son père, l'enfant ne t'aime pas. Viens donner l'enfant au père, il élève. C'est un autre problème, ça. Viens lui remettre son enfant. Je ne peux pas jeter mon enfant dehors. Ouais. C'est vous qui faites le combat, vous prenez l'enfant, vous partez garder. Ça d'accord, on va. Alors, on va regarder le sondage. Et c'est une phase d'éducation. Là, il y a que beaucoup de passion. Là. Avoir avec son père. Il y a beaucoup de passion. Je crois que là, en ce moment, oui, là, il y a le sondage. Qui souffle, le sondage. Alors, on va regarder le sondage. On a 45% de personnes qui disent qu'il faut plus de proximité avec l'enfant à partir de ce moment-là. Le moment où vous l'avez retrouvé. Et puis il y a d'autres qui disent que ça dépend de la raison de la distance, hein, à 25%. C'est la raison de la distance, hein, c'est important de savoir la raison. Et puis organiser des sorties au maximum, 30% avec l'enfant à partir du moment où vous avez pu nouer une certaine relation. On va maintenant regarder des personnes ressources, hein, des personnes qui nous parlent un peu, qui nous donnent leur avis sur la question et peut-être que ça va mieux nous édifier. Il y a Marius Tiasep qui est psychologue des ados et Maurice Sobo qui est psychosociologue. On écoute. Il y a une série de mesures de préparatoires qui consistent à apprêter la mentalité, la psychologie de l'enfant à vous accepter par exemple comme père. Parce que tout dépend cette fois-ci de celui qui a joué l'intermédiaire, entre-temps de celui qui a joué le rôle de substitut affectif. Parce que forcément, si vous, en tant que père, vous n'avez pas été là, il y a sûrement quelqu'un qui a joué le rôle de substitut. Il est donc maintenant question d'écarter progressivement le substitut du champ de la relation affective avec l'enfant pour intégrer votre image. Et ceci doit être un processus très, très progressif. D'abord, révéler à l'enfant votre existence, puis lui parler progressivement de vous. Préparer par la suite une rencontre, puis apprendre progressivement vous aussi, à savoir qu'est-ce que votre enfant est devenu, quels sont ses penchants, à quoi l'enfant tient le plus, ainsi de suite. C'est la connaissance totale de l'environnement et de l'enfant lui-même peuvent déterminer donc le rapprochement nécessaire pour l'établissement à la fin, je dis vraiment à la fin, du lien affectif. Et ça, ça peut prendre parfois beaucoup d'années. La notion d'affectivité et de lien affectif se met en place dès les premiers moments de la vie. Et généralement, quand on parle du premier moment de la vie, on parle c'est à partir de la conception que le lien affectif se construit. Et il se renforce entre 0 et 3 ans en général, le lien affectif. Et au fur et à mesure, on va l'entretenir et on va le nourrir pour qu'il puisse se développer. Donc si on a perdu notre enfant de vue et qu'on le retrouve plus tard, il va de soi que ce ne sera pas du tout évident parce qu'il y a forcément des choses qu'on a loupées et qu'on ne pourra pas rattraper même si on le voulait. Mais néanmoins, on ne va pas être défaitiste et on ne va pas lâcher prise. Les questions, dans un premier temps, au lieu de vouloir absolument rattraper le retard, au lieu de vouloir lui démontrer que par tous les voies et moyens qu'on aime beaucoup, on gagnerait à s'intéresser à lui, à comprendre ce qu'il aime, ses centres d'intérêt, être à son écoute. Et c'est à partir de là qu'on saura effectivement quel type de réponse on peut construire, on peut proposer pour pouvoir créer chez lui ce lien affectif-là. Parce que nous sommes dans la question des carences affectives. Vous savez que les carences affectives ne peuvent que se compenser avec des actions précises, mais surtout avec beaucoup de patience et beaucoup de modération. Donc, il serait fortement déconseillé de vouloir absolument qu'il donne des réponses positives ou favorables à nos tentatives d'amour immédiates. Il faut comprendre qu'il faut qu'il ait le temps d'intégrer l'information, mais surtout que le parent doit faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup d'écoute et de beaucoup d'ingéniosité. We'll be right back.
arrive, et cette fois-là, les... À la Villa des Lys. À la Villa des Lys. Voilà. Bien des choses, Claude Gioia. Bon retour. On reste encore au Cameroun quelques temps, c'est ça? Ah oui. Avec tout le monde, super. On fait un toit. On va sauter.